Tu sais ce qui est plus, ce qui est encore plus fort dans cette aventure tandem et ces clips, c'est que ils ont quasiment défini l'identité française du hip-hop, parce que pour très longtemps, MTV avait un peu chamboulé la tête de tous nos compatriotes et ils savaient plus s'ils étaient des Américains. Alors il y en a plein qui sont plein de tatouages. Et... Non, quand tu viens de quartier français, frère, on a une culture à nous, une identité bien précise. C'est ça, quand j'ai vu plein de rappeurs avec des tatouages sur leur visage et tout. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais moi, on vient pas de là, man. Quand t'as galéré vraiment dans les quartiers de France, on se reconnaît entre nous. Et il y a des trucs qui sont un peu exportés. Et MTV avait fait un travail un peu diabolique, etc. Et des gens comme diabolique, les gens se prenaient pour des rappeurs américains, frérot, à un moment donné. Alors qu'on a une propre identité. Oui, mais ça existait aussi sur toutes les musiques aussi. Oui, mais je trouve que les groupes comme Tandem ont eu le mérite de nationaliser le truc. Et de surtout sublimer la vraie culture. On n'avait pas besoin de se prendre pour des Américains. On a autant de talent, autant de douleur, autant de joie, autant de... On peut s'inspirer, mais s'inspirer, ça veut pas dire copier. Planète Rap.